Et salut à tous, c'est Angel038, voici une petite vidéo qui vous annonce un petit peu le programme pour le futur de la chaîne dans 2 semaines. Vous allez retrouver du Project Cars de nouveau. Je vais me lancer dans une carrière sur du touring. Je me lance là-dessus tout simplement parce que, ayant participé à une course organisée par le site GPF1, qui était une épreuve de DTM avec pas mal d'abonnés du site, j'ai trouvé la conduite de DGT plutôt sympa, ça m'a beaucoup plu, et du coup j'ai eu envie de creuser un petit peu plus le sujet, et plutôt que de refaire du F1 comme j'avais prévu, c'est-à-dire une carrière sur F1 2015, et donc faire un doublon par rapport à ce que vous propose Cédric ces derniers temps, de faire du GT sur Project Cars. Attention, ne pensez pas que je suis en train de spoiler ou de plagier plutôt Maxou le pilote, hein, qui lui aussi fait pas mal de touring et qui a fait sa carrière sur Project Cars et qui est toujours en train de la faire pour monter petit à petit les échelons avant d'arriver à l'épreuve ultime qui est les 24 heures du Mans. Non, 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 rien de tout cela, ce sera pour moi qu'une petite série de vidéos sur une carrière en touring. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin, j'ai pas la prétention de faire des grandes choses, néanmoins, histoire de changer un petit peu de registre et puis de me sortir un petit peu de la F1 en attendant de pouvoir profiter pleinement de F1 2015, je l'espère, d'ici la fin de l'année, donc de faire un petit peu de Project Cars et donc du GT. Vous retrouverez donc Cédric sur sa carrière sur F1 2015 normalement tous les week-ends. Quant à moi, je vous proposerai les vidéos donc de chacune des courses sous le format des qualifications puis de la course, commentée après tournage, bien évidemment comme je le faisais avant, et non en live comme je le fais comme je le faisais récemment, c'est-à-dire commenter en conduisant, ce qui va me permettre de mieux me concentrer sur ma conduite, vous proposer une conduite un petit peu meilleure, je l'espère, et surtout d'avoir un commentary qui soit un peu plus vivant. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec ces quelques images de ce qui vous attend dans les semaines à venir. En attendant, portez-vous bien, et sur ce, salut à tous.